cœur du village, c'est un tas de neige qui ressemble un peu à un igloo en début de saison. À la fin de la saison, c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, c'est un gros tas de neige qui est fabriqué en collaboration avec la station de Pelvoux-Valouise. On fait pendant quelques nuits, au début de l'hiver, de quoi avoir un énorme tas qu'ensuite on va creuser, aussi bien les bénévoles que nos trois sculpteurs. Et puis, une fois que les galeries sont faites, on laisse nos trois sculpteurs, Maxime Ducré, Dan Fermor et Jérôme Lahu, à l'intérieur pendant environ 2 semaines. Et dans le plus grand secret, ils préparent leur sculpture de neige et de glace en fonction du thème qu'on a fixé préalablement. Les toutes premières éditions de l'Igloo ont été réalisées par Christian Burger, le sculpteur et artiste bien connu dans les Hautes-Alpes et même au-delà. Et puis, au bout de quelques années, Christian a pris sous son aile trois jeunes garçons qui, en gros, n'avaient jamais sculpté la neige ni la glace. Il les a formés. Et puis, un beau jour, il nous a dit, bah, écoutez, je me retire du projet, parce qu'il avait beaucoup d'autres choses à faire. Et il a transmis le flambeau à Dan, Jérôme et Maxime, qui sont devenus nos trois sculpteurs attitrés. Qui ont continué à apprendre, qui se sont perfectionnés. Dan, Maxime et Jérôme, ce sont des jeunes du pays, comme on dit. Ils habitent soit à l'Argentière, soit au Vigneault, soit un peu plus loin à Châteauroux. Entre le moment où le tas de neige est terminé et le moment où les sculpteurs commencent à travailler, on laisse se passer un petit moment, quelques jours, une semaine, pour que la neige se tasse, qu'elle devienne plus compacte et plus facile à travailler, qu'elle tienne bien. Alors malgré tout, ça reste fragile. Donc il faut travailler ça avec des instruments très particuliers qui ont été fabriqués par les sculpteurs eux-mêmes. A priori, ça va tenir pendant plusieurs mois. L'igloo est ouvert jusqu'à la fin du mois de mars, jusqu'à la fermeture de la station de Pelvoux-Valouise. Ça va tenir, mais en même temps, sous le poids de la neige, ça va se tasser petit à petit. Et donc, on va voir des déformations. Le serpent, à l'autre bout, qui avait une gueule bien béante, devient un peu plus ratatiné au fur et à mesure. Ça se tasse aussi par le dessus. Donc, régulièrement, il faut recreuser les voûtes. Alors quand il y a beaucoup de neige, une année bien enneigée, c'est parfait, ça marche très bien. Une année comme celle qu'on vient de vivre, avec très très peu de chutes de neige, c'est un peu plus problématique. Et maintenant, il y a des endroits où les grands comme moi ont du mal à tenir debout et on ne peut pas recreuser, sinon ce serait la fin de l'igloo. Un petit bilan sur la 8e édition qui a été très très particulière, puisque tout était prêt et on n'a pas pu ouvrir. En raison de la pandémie, ce qui fait que l'an dernier il y avait un magnifique igloo que nous ne sommes que quelques-uns à avoir vu. Malgré ça, on est reparti de bon cœur et le pied vaillant, et cette année le succès a été immense. On a augmenté très notoirement le nombre de visiteurs. On a aussi augmenté le chiffre d'affaires qui nous permet d'avoir 3 salariés qui accueille les visiteurs tous les jours pendant les périodes de vacances et 3 jours par semaine pendant les basses eaux touristiques. Donc un très beau bilan qui nous invite et nous incite à cogiter encore plus fort pour l'année prochaine, qui sera le dixième anniversaire, avec des envies complètement folles. Pourquoi pas un igloo à 2 étages, pourquoi pas un igloo avec des 2 mini-niveaux, un igloo encore plus grand, pourquoi pas inviter un 4e sculpteur. Voilà, donc on est très heureux de ce qui s'est passé et on est impatient de recommencer l'an prochain. Igloo Pelvoux, c'est un projet à la base de bénévoles et d'artistes. On tient toujours à cette dimension du bénévolat, on tient toujours à cette présence de l'art. Et ce qui nous tient à cœur, c'est à la fois d'être très très sérieux, parce qu'on sait qu'on va accueillir les vacanciers et qu'il faut les satisfaire, il faut être à la hauteur de ce qu'ils attendent ou ce qu'ils n'attendent pas. Donc on est à la fois très sérieux et en même temps tout se fait dans des éclats de rire permanents, et pour au bout du compte donner à nos visiteurs des étoiles dans les yeux lorsqu'ils pénètrent dans ce gros tas de neige.